Tu fais ta petite recherche sur Google, puis tu... Et tu encaisses de l'argent encore et encore. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sans aucune compétence, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent sur Internet grâce à Google. Et je vais surtout te montrer en fait comment une action que tu vas faire une fois va pouvoir te rapporter de l'argent pendant des mois, voire des années. Et du coup, tu l'auras compris, mais plus tu répéteras cette action, plus tu gagneras d'argent. Bien sûr, il faudra quand même du travail derrière si tu veux pouvoir par la suite encaisser des revenus en automatique. Mais crois-moi, je t'ai tout facilité et si tu passes à l'action derrière, il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas gagner d'argent. Comme d'habitude, c'est quasiment impossible que tu parviennes à en gagner si tu quittes cette vidéo avant la fin car tu auras manqué des infos trop importantes. Et en commentaire, dis-moi pourquoi tu veux gagner de l'argent. Juste avant de passer à la suite, je t'invite à t'abonner en activant la cloche des notifications. Tu peux également mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Donc on est tout de suite parti pour que je te montre comment on va gagner de l'argent avec Google. Mais avant ça, il va falloir t'inscrire sur un premier site qui s'appelle System.io et qui va nous permettre par la suite de gagner de l'argent. Donc c'est quoi System.io? Donc System.io, c'est un outil pour le business en ligne. En fait, c'est un outil qui va servir à créer des sites internet, envoyer des emails, créer des tunnels de vente et faire beaucoup d'autres choses, mais qui va en tout cas servir aux gens qui ont un business en ligne. Alors ne t'en fais pas, t'auras pas forcément à lancer un business en ligne ou je sais pas quoi, t'auras pas à créer des sites internet par exemple ou à envoyer des emails. Là, on va se concentrer sur une méthode très facile pour gagner de l'argent avec System.io, donc on n'aura pas à faire des choses compliquées que tu ne sais sûrement pas faire comme créer des sites internet par exemple, mais faut juste que tu comprennes au moins ce qu'est System.io parce que sinon tu pourras pas gagner d'argent avec. Donc retiens ça, c'est un outil pour les business en ligne qui va du coup aider à faire beaucoup de choses. Donc c'est quoi le lien avec Google, comment gagner de l'argent avec Google, je vais te montrer ça dans la suite de la vidéo. D'abord faut que tu t'inscrives sur System.io. Donc System.io il propose différents abonnements, notamment un qui est totalement gratuit, tu vois, tu peux commencer totalement gratuitement avec 0€ par mois et du coup tu as pas mal de choses quand même qui sont disponibles, mais tu seras forcément limité à un moment. À un moment quand tu commenceras à gagner de l'argent avec la méthode de cette vidéo, tu seras bloqué et donc tu devras peut-être passer à un plan startup, un plan webinar, etc. Et également ces plans là te permettent de faire beaucoup plus de choses. Là je te montre la méthode toute basique, mais si par la suite tu veux faire des choses un peu plus complexes pour gagner beaucoup plus d'argent, faudra que tu prennes un plan startup ou un plan webinar par exemple. Mais du coup tu peux commencer gratuitement et dans la description je te mets des liens pour économiser beaucoup d'argent. Le premier lien il te permet de démarrer un des abonnements que tu vois juste ici mais avec 30 jours gratuits au lieu de 14. Parce que tu vois que là je peux commencer gratuitement par exemple à 27€ par mois ou à 47€ par mois, sauf que ce sera gratuit que pendant 14 jours. Avec mon lien à moi spécial dans la description, tu seras avec ton abonnement gratuit pendant 30 jours. Donc ça te permet d'avoir une période d'essai deux fois plus longue. Également je te mets un lien pour avoir tous ces abonnements là à moins 30%, c'est une assez grosse réduction. Donc je te mets mon lien spécial dans la description du coup pour avoir moins 30% et également pour avoir 30 jours gratuits au lieu de 14. Donc pour t'inscrire sur le site, ce que tu peux faire c'est aller sur cette page là, donc tu cliques par exemple sur le lien en description et tu cliques, soit tu rentres ton email ici, tu cliques sur commencer gratuitement, soit tu regardes en haut à droite, tu cliques sur commencer gratuitement juste ici. Une fois que tu as fait ça, tu arriveras sur cette page là. Donc toi il y aura marqué 0 partout, moi il y a 107 ici parce que je commence à récolter quelques emails, mais tu n'auras pas du tout à faire ça pour la vidéo, donc il y aura marqué 0 partout. Tu vois qu'en haut il y a des petites catégories et nous on va aller sur la catégorie tableau de bord et on va descendre pour aller sur tableau de bord affilié. C'est là où on va pouvoir trouver la chose qui va nous faire gagner de l'argent. Avant ça je voulais simplement te dire que là dans la vidéo je vais pas te montrer toutes les différentes catégories que tu vois juste ici de System.io, mais toi ce que je te conseille de faire c'est une fois que tu t'es inscrit avec les liens en description d'aller voir un petit peu ce que propose System.io, parce que mieux tu connaîtras System.io mieux tu pourras gagner d'argent et plus tu pourras gagner d'argent en fait. Plus tu connais System.io plus tu pourras gagner d'argent avec. Donc nous, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est ce petit lien là que tu vois juste ici, votre lien affilié pour promouvoir System.io. Et donc tu vois qu'au-dessus il y a marqué « Faites la promotion de System.io et touchez 40% de commission à vie ». Donc je vais t'expliquer ce que ça veut dire après. Simplement, retiens que tu dois prendre ce lien juste ici. Donc tu copies ce lien qui est juste là et on va le garder de côté. Donc tu vois que sur Google, moi je viens de taper « Coiffeur Lyon » dans la barre de recherche. Donc ça c'est un exemple, tu peux changer totalement la recherche. Mais moi j'ai tapé ça pour l'exemple de la vidéo. Donc ce que je te conseille de faire toi, c'est de taper autre chose que moi, mais il faudra quand même qu'il y ait deux choses obligatoires dans ta recherche. Premièrement, le nom d'une enseigne, donc moi j'ai pris coiffeur, mais toi tu peux prendre
boulangerie, salle de sport, supermarché, ce que tu veux, mais il faut que ce soit une enseigne, un magasin en gros, et également il faut que tu aies une ville à côté. Donc moi j'ai pris Lyon, mais tu peux prendre Paris, Marseille, toutes les villes que tu veux. Et ce que je te conseille, si tu ne vis pas en France, c'est quand même de prendre une ville française, parce que ça va être mieux pour la suite de la vidéo. Une fois que tu as tapé ça dans Google, ce que tu peux directement faire, c'est cliquer sur Maps juste ici pour aller voir la carte du coup de ce qu'ils vont te proposer. Une fois que tu as fait ça, du coup là tu as Lyon juste ici avec les différents emplacements des coiffeurs. Ça va pas trop nous intéresser ce qu'il y a à droite. Par contre, ce qu'il y a à gauche, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Tu vois que là on a les différents coiffeurs, donc nous on va pas mal descendre, parce que ce qu'on veut, c'est pas des coiffeurs qui sont très connus à Lyon, c'est des choses qui sont un peu plus privés, enfin un peu moins connus on va dire, des coiffeurs qui sont pas forcément hyper connus dans la ville. Donc tu vois que par exemple celui-là, Origine Coiffure, je vais aller voir un petit peu ce que c'est. Et donc en cliquant dessus, tu vois que j'ai toutes les informations, notamment l'adresse, les horaires, on s'en fout. Et donc là, on voit s'ils ont un site internet. Là, par exemple, ils en ont un. Ils ont également un numéro de téléphone, etc. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est soit prendre le premier au hasard avec un site internet. Donc je vais aller ouvrir ce site internet là. Voilà, et on reviendra dessus tout à l'heure. Mais ce que je vais également te montrer, c'est avec un coiffeur qui n'a peut-être pas forcément de site internet. Donc tu peux faire avec un site internet, mais tu peux aussi faire sans site internet, et tu vas voir que ça va être aussi beaucoup plus intéressant, on va dire, si le coiffeur que tu choisis, ou si la salle de sport que tu choisis, ou si je sais pas, l'épicerie que tu choisis n'a pas de site internet, pardon, ça va être beaucoup mieux normalement. Mais tu peux parfaitement faire avec un site internet, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé du coup ce coiffeur là, Car Junior, je sais pas comment ça se dit, mais en gros tu vois que ce coiffeur là, ils indiquent qu'ils ont un site internet, mais en fait tu vois que c'est un compte Facebook. Donc c'est parfait, ils n'ont pas de site internet, et donc tu peux également contacter ces personnes là, tu vois qu'ils ont un numéro et un Facebook également sur lequel tu peux les contacter. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Pour te montrer quand même, je vais aller sur le site qu'on a vu de l'autre coiffeur tout à l'heure. Donc là c'est pas le même coiffeur, mais simplement pour que tu comprennes. Donc ce que tu devras faire en fait, c'est chercher un contact, un formulaire de contact sur le site internet, si tu décides de prendre une salle de sport, si tu décides de prendre une épicerie, si tu décides de prendre je sais pas un petit supermarché qui a un site internet, faudra que tu cherches un formulaire de contact. Donc tu vois que moi il y a un onglet contact juste ici, et il y avait également un numéro de téléphone, et du coup là tu peux mettre ton nom, ton adresse courriel, et envoyer un message. Donc je te dirai que quoi mettre dans le message tout à l'heure, etc. Il n'y a pas de souci. Simplement retiens juste que si tu choisis de prendre une enseigne avec un site internet, faut que tu ailles dans l'onglet contact pour leur envoyer un mail ou un message. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que ce que je raconte t'intéresse. Et donc si tu en veux plus, si tu veux plus de méthodes pour gagner de l'argent, mais également des méthodes pour gagner plus d'abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, là où il y aura marqué rejoindre le club privé. Ça te permettra de rejoindre mon canal Telegram privé, dans lequel je te partage plein d'astuces que je ne partagerai jamais sur cette chaîne YouTube. Donc je te partage plein de méthodes, mais également mes propres résultats. Donc si tu veux voir un petit peu comment moi je m'en sors pour gagner de l'argent, que ce soit sur YouTube et également ailleurs, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien. Et si également tu veux développer un compte Instagram ou une chaîne YouTube, je t'invite également à cliquer sur le lien, car je partage régulièrement de nouvelles méthodes par rapport à cela. Maintenant, on va retourner du coup sur Carré Junior, et tu vois qu'on peut aller voir directement sur leur Facebook, et que du coup, on pourra les contacter directement, soit par leur numéro de téléphone juste ici, mais je suis pas vraiment sûr que vous vouliez tous parler directement comme ça, appeler, sachant qu'un coiffeur, en plus, ils attendent surtout des appels pour des rendez-vous, pas trop pour ce qu'on va leur proposer. Donc ce que tu peux faire également, c'est très bien les contacter directement sur Facebook, tu vois, et leur envoyer un message ou commenter une de leurs publications, bref, faire cette chose-là. Mais du coup, pourquoi ça va être mieux pour tout simplement ceux qui n'ont pas de site internet, pour les coiffeurs qui n'ont aucun site internet? Parce que nous, ce qu'on voudra faire en fait, c'est faire la promotion de Systemio auprès de ces coiffeurs-là, pour tout simplement qu'ils passent par notre lien Systemio et qu'on gagne de l'argent. Peut-être que là tu comprends pas, mais je vais t'expliquer comment ça marche. En gros, voilà comment va marcher le système. On a récupéré un lien tout à l'heure dans Systemio, donc je te remontrerai comment le récupérer, il n'y a pas de souci. Et une fois que tu auras pris ce lien-là, ce qu'on va faire, c'est contacter l'enseigne. Donc là, moi, tu vois que j'ai pris un coiffeur, mais comme je te l'ai dit, tu peux prendre n'importe quel autre type d'enseigne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un message à cette enseigne-là.
on va pas lui directement lui dire de prendre Systemio ou je sais pas quoi, on va proposer un rendez-vous à l'enseigne, et c'est hyper important d'abord de proposer un rendez-vous, que ce soit par téléphone, par visio, mais propose-leur un rendez-vous. Pourquoi? Parce que si jamais, bah toi par exemple, t'as un coiffeur et que tu reçois un mail pour te dire est-ce que tu connais Systemio, passe par mon lien s'il te plaît, fais-moi gagner de l'argent, je pense que tu vas soit pas du tout ouvrir le mail, soit directement le supprimer, soit le lire et le supprimer, et ça ne marche pas du tout d'envoyer des mails comme ça et d'espérer que la personne clique sur ton lien et que tu puisses gagner de l'argent. Non. Toi, ce que tu vas faire, c'est leur proposer un rendez-vous et ensuite leur parler pendant le rendez-vous de Systemio. Donc, je vais te dire exactement ce que tu devras dire, etc. Il n'y a pas de souci, mais ça, c'est simplement pour te montrer le système. Et donc, en gros, tu vas leur proposer un rendez-vous, tu vas leur parler de Systemio. Et donc, s'ils prennent un abonnement chez Systemio, eh bien, Systemio va te redonner de l'argent. Ils vont te redonner de l'argent parce que c'est grâce à toi, grâce à ton lien, qu'ils ont eu ce nouveau client du coup, et donc ils te redonneront de l'argent. Et ce qui est bien, comme tu l'as vu tout à l'heure, comme tu vois sur Systemio, ce sont des abonnements. Donc tu as l'abonnement startup, l'abonnement webinar, etc. Et donc si tu arrives à avoir un client, eh bien il va payer tous les mois. Ça veut dire que tu ne recevras pas qu'un paiement, tu recevras des paiements tous les mois si tu arrives à ce qu'une personne passe par ton lien et aille sur Systemio. C'est ça la puissance en fait de ce genre de choses, parce que imaginons par exemple que tu arrives du coup à ce que la personne ait un abonnement illimité à 97€ par mois, et bien toi du coup tu gagneras, si je dis pas de bêtises, environ 40€ par mois, peut-être un peu moins de 40€ par mois grâce à cette personne là. Et donc si tu arrives à convaincre 10 personnes, et bien tous les mois tu auras 400€ qui seront directement sur ton compte si tu arrives à convaincre 10 personnes, 10 enseignes, de prendre leur abonnement Systemio à 97€ par mois. Donc comment on fait maintenant pour contacter cette personne là pour qu'elle passe sur notre lien Systemio, qu'elle prenne l'abonnement et du coup qu'elle achète, qu'elle prenne un abonnement et qu'on soit payé tous les mois? Donc ce que tu fais, tu les contactes comme je t'ai dit et tu leur proposes un rendez-vous. Tu ne leur dis pas directement de passer par ton lien Systemio. Tu leur donnes un rendez-vous et pendant le rendez-vous, ce que tu vas leur dire, c'est premièrement, on va prendre l'exemple de Carré Junior parce que tu vois qu'ils n'ont pas de site internet. Donc tu vas leur dire, oui, j'ai vu que vous avez seulement un compte Facebook, pas un site internet. Est-ce que vous connaissez Systemio? C'est quelque chose qui va pouvoir faire décupler vos ventes. C'est un outil qui vous permet plein de choses. Ok, donc à partir de ce moment-là dans la vidéo, j'ai commencé à m'en mêler un peu, à dire un peu n'importe quoi. Donc je reprends ici. Donc comment vous devez faire en rendez-vous pour que la personne accepte de passer par votre lien Systemio et que vous puissiez toucher de l'argent. Donc premièrement, petite précision, le rendez-vous c'est en visio ou en appel, c'est comme vous préférez. Vous pouvez essayer, si vous n'êtes pas trop à l'aise en appel, de continuer à parler à la personne par message, mais déjà vous arriverez beaucoup plus vite à ce que la personne achète si vous faites un appel, et en plus elle sera beaucoup plus en confiance. Donc si vous arrivez à avoir un appel avec elle, un rendez-vous en appel, c'est parfait. À ce moment-là, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de vendre, c'est chercher ce dont la personne a besoin. Par exemple, si elle a déjà un site internet, ce que vous pouvez faire, c'est dire à la personne, j'ai vu que tu avais un site internet, mais est-ce que tu as une newlister? Une newlister, c'est une liste email sur laquelle la personne peut envoyer des emails. Je suis sûr que vous en avez dans vos boîtes mail, que vous êtes déjà abonné à des newlisters qui vous envoient régulièrement des mails. Eh bien, il y a très peu d'enseignes qui ont ce genre de choses, mais avec Systemio, c'est possible de créer ta liste email et d'envoyer des emails. Donc si la personne a déjà un site internet, vous pouvez lui proposer ce service avec Systemio. Vous pouvez aussi lui dire qu'en plus de son site internet, elle peut créer des tunnels de vente pour, je sais pas, vendre ses produits. Par exemple, si c'est un coiffeur, vous pouvez lui dire qu'elle peut vendre directement, par exemple, ses produits pour les cheveux sur internet avec Systemio, et qu'après les gens peuvent venir les récupérer en magasin, ou ce genre de choses. Vous essayez de comprendre ce que la personne veut, ce dont elle a besoin, et lui apporter des solutions. Si la personne n'a pas de site internet, bien sûr, vous lui proposez un site internet, et derrière, vous pouvez lui proposer plein de choses. Par exemple, de créer sa liste email, comme je vous l'ai dit, ou du coup, de vendre ses propres produits, mais directement sur internet. Donc, ce qu'il faut bien sûr connaître, c'est Systemio. Il faut bien que vous vous renseigniez quand même sur Systemio pour savoir ce que c'est, parce que sinon, pendant l'appel, si la personne vous pose des questions et que vous ne savez pas répondre, c'est quand même un peu bête. Donc, renseignez-vous quand même sur Systemio, sur tout ce que vous pouvez faire dessus. À l'écran, je t'affiche une nouvelle vidéo pour gagner de l'argent. Tu as 5 secondes pour cliquer, c'est vraiment une pépite. Je te conseille de cliquer avant que ça disparaisse. 5, 4, 3, 2, 1...